إلى الموعد الثقافي إذا نظمت بالمعهد العالي للموسيقى أحمد فوزي أمس الندوة الصحفية الخاصة بانطلاق فعالية الطبعة 12 من المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية والذي ستحتضنه دار أوبرا الجزائر بوعلام بالسياح في الفترة الممتدة من 15 إلى غاية 20 من الشهر الجاري، حيث سيتم تقديم سهرات فنية لفرق موسيقية من 14 دولة، كما ستشارك ألمانيا كضيف شرف طبع المهرجان خصص له غلاف مالي قدر ب 37 مليون دينار جزائري وذلك بدعم من وزارة الثقافة والفنون. أما عن سعر التذكرة فحدد ب 800 دينار جزائرية. تغطية لعبد الرحيم بونمري. éditions qu'on a vécu depuis 11 ans, parce que 11 années. La deuxième, c'est ce samedi 15 octobre, Inch'Allah, avec nos amis allemands, ce sera, et puis aussi avec le programme que je dois vous lire. Et je lance un appel à toutes les ambassades, non pas celui-là, à toutes les ambassades de nous soutenir par rapport à toutes les soirées. Comme à toutes les soirées. C'est quoi? C'est 6 soirées, c'est tout. En une année, c'est peu. Alors, venez en masse, s'il vous plaît. Invitez vos amis pour qu'on puisse vivre ensemble Alger, capitale de la musique symphonique. Et l'orchestre, il sera fusionné entre deux orchestres, l'orchestre del Mondo et l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Donc l'orchestre sera composé de 74 musiciens. Donc on aura un grand son, Inch'Allah. Et au programme, pour cette fois-ci, on a 7 solistes algériens. Opéra Algérien. كل طاقم الأوبرا اللي رايح يرافق هذا المهرجان من خلال البرامج نتاعو، كل الطاقم التقني، كل عمال دار الأوبرا راح يرافقوا هذا المهرجان. كما من جهته أكد كلاوسن بوردرزن مدير المركز الثقافي الألماني أنه يجب على البلدين تعزيز تبادل الفن والثقافي بين الشعبين، خاصة من ناحية التعريف بالموسيقى الجزائرية لدى الألمان. Et si notre travail culturel encourage les Allemands, les Algériens à connaître davantage sur le voisin, pas loin de l'autre côté de la Méditerranée, ce serait une très belle chose parce qu'il faut l'échange, il faut l'ouverture entre les pays aussi, surtout entre nos deux grands pays et automatiquement on connaîtra plus de la musique. Et on va voir avec le maestro qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître la musique algérienne une fois que eux, les Allemands, ont découvert votre musique.